C'est venu d'un sujet télé que j'ai entendu par hasard. Au début, j'étais un peu comme tout le monde, je connaissais quelques sans-papiers personnellement, mais au niveau des centres fermés, j'en savais pas plus que tout le monde. Et puis un jour, j'entends, c'est lors d'un reportage, j'entends prison pour enfants, prison pour innocents. Et là, je ne sais pas, et le fait de savoir que c'était à 15 km, il y avait un centre fermé à 15 km de chez moi, m'a fait réagir. Je sais pas, mon humanisme s'est réveillé. Et j'ai commencé à aller, mais tout de suite après, j'ai été un peu sur le net pour voir un peu ce qui se passait vraiment au niveau des témoignages, etc. Et plus je découvrais, plus j'étais atterré parce que je découvrais. Très vite, l'idée d'en faire un film est venue, quoi. Alors après, pendant un an, on a fait une enquête à trois, avec un journaliste du Soir, Hugues d'Orsay, et un juriste de la Ligue des droits de l'homme belge, qui eux étaient spécialisés dans le domaine. Et on est parti sur le terrain, on a évidemment interviewé des sans-papiers, des gens qui étaient passés par là, mais le plus important, c'était d'arriver à rentrer dans un centre. On y est arrivé plusieurs fois et ça nous a permis, on est passé, en général on passait 3-4 heures par fois et ça nous a permis de bien sentir l'atmosphère et d'avoir une idée assez précise de ce qui se passait à l'intérieur. Et on a interviewé aussi des gardiennes, bon, sous couvert de sources évidemment. Des gens qui avaient été des postes haut placés, puis un policier de transfert aussi, donc ceux qui font les expulsions. Parce que je voulais que ce soit le plus juste possible, pas que ce soit manichéen, mais que ce soit mais le plus réaliste possible, entre guillemets, quoi. Oui, je dis souvent, j'ai écrit ce film, mais c'est lui qui m'a fait. Hein. Parce que c'est vrai que une fois que tu rentres dans un centre fermé, ben ça te reste là, ça te marque au fer rouge. Et c'est vrai qu'avec ce genre de film, ce qui est aussi, tu sors plus intelligent parce que tu dois apprendre plein de choses, tu dois te renseigner sur plein de choses, donc tu sors un peu plus riche. Mais là, je sais pas encore, mais ce qui me trotte dans la tête, c'est après avoir montré un peu ce que ces centres fermés, enfin, ce que nous on faisait aux sans-papiers pour les rapatrier, parler de notre accueil qui est loin de nos idéaux, de ces centres fermés qui ne marchent pas et dont on paye en tant que contribuable la construction. Peut-être que je vais travailler l'autre côté, mais ça je ne sais pas encore, mais il y a eu plusieurs scandales en Belgique sur les trafics de visas dans les ambassades. Donc j'aimerais bien faire peut-être il y a une idée de thriller politique derrière. Ouais. C'est un film qui a été coproduit par la Belgique majoritaire, le Luxembourg et la France. Alors c'est au Luxembourg, c'est-à-dire qu'on a dû, comme ils ont amené pas mal d'argent, la moitié du budget. Mais en contrepartie de l'argent, évidemment, il y a des exigences, dont de tourner 50% et plus au Luxembourg. Alors, au départ, on devait tourner le centre fermé, mais malheureusement, il n'y avait pas de bâtiment adéquat, parce que les Luxembourgeois sont assez riches, donc ils détruisent et ils reconstruisent très vite. Donc on a trouvé le centre finalement à Liège. Donc la particularité aussi, c'est qu'on a dû tourner ce qui était censé se passer à Bruxelles au Luxembourg. Donc c'était assez comique entre guillemets, ce qui me pose pas trop de problème parce que moi, c'est la fiction, c'est la magie du cinéma. Et je pense pas qu'on le ressente dans le film. Mais... c'est une opportunité. Certaines, parce que c'est par rapport à un film
film avec un sujet pareil, évidemment que moi je ne demande qu'il, pas mieux qu'il soit le plus diffusé, qu'il ait possibilité, que je pense que c'est un film qui résonne dans pas mal de pays. Donc c'est vrai que si le Prilux pouvait donner la chance à Illégal d'être vu dans toute l'Europe et de créer le débat dans toute l'Europe, ce serait génial. Le 7 octobre, il y a... alors après, est-ce que c'est des paroles de politiciens, on va voir, mais le ministre de la Culture, qui est aussi le ministre de la Justice au Luxembourg, a vu le film et il a été très touché. Et donc le 7 octobre, il veut réunir tous les ministres de la Justice, parce qu'il y a un rassemblement à ce moment-là, et il veut que tous les ministres de la Justice européenne voient le film ce jour-là, le 7 octobre, qui sera l'avant-première au Luxembourg. Donc j'attends beaucoup de cette projection. J'espère que ça va faire débat, qu'il y a beaucoup de ministres qui vont sortir en disant « Qu'est-ce que c'est que ce film ?» Ça crée la polémique.